Bah d'abord, ne pas simplement se contenter de suivre les cours ici, mais d'essayer d'en profiter pour se faire des réseaux, à la fois dans les milieux américains, bien sûr, mais aussi dans les milieux français. Il y a beaucoup, beaucoup de Français à New York, beaucoup d'entrepreneurs. C'est évidemment une chance que d'être ici à l'EFAP New York et d'avoir ce cursus et cette ouverture. J'ai quand même mesuré qu'un grand nombre d'entre eux voulaient avoir derrière une expérience professionnelle un peu plus approfondie. Donc ça veut bien dire qu'ils ont cette perception que n'ont pas toujours les élites économiques ou politiques de la France, que leur avenir est mondial. Donc moi je dis aux jeunes, venez, partez dans le monde. C'est surtout, n'ayez pas cette vision rétrécie de la France, qui ne serait que la France de l'Hexagone, qui fait que beaucoup de gens ont peur, y compris déjà de l'Europe, avant même d'avoir peur du monde. Non, au contraire, inscrivez-vous dans cette logique. C'est très bien que l'EFAP offre ce cursus.